Découvrons ensemble la plateforme MailerLite qui est un autorépondeur et qui va vous permettre d'automatiser l'envoi de toutes vos newsletters, de toutes vos campagnes mail auprès et bien de votre liste de comptes. Bonjour, je suis Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elles Son et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise simplement et avec ça. Ces... Sur notre chaîne, vous retrouverez de nombreux tutoriels pour vous aider à prendre en main facilement et rapidement plein d'outils digitaux pour vous simplifier la vie. Alors c'est parti, commençons tout de suite et découvrons en détail comment fonctionne MailerLite. Donc, d'abord, la toute première chose à savoir, c'est que MailerLite, c'est un outil qui vous permet d'envoyer des communications groupées. Si vous ne savez pas encore ce qu'est un autorépondeur, on vous met dans les ressources un article qui vous aidera à mieux comprendre qu'est-ce que c'est et pourquoi vous devriez en avoir un. Après en avoir testé plein plein plein, on est vraiment tombé amoureuse de MailerLite, notamment pour son interface simple, facile à utiliser et très pratique, mais qui nous offre également des fonctionnalités très avancées. Regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe du côté du pricing, c'est-à-dire de l'abonnement que vous allez devoir payer pour utiliser cet outil. Alors, comme vous le remarquez, MailerLite, c'est un outil en anglais et ça peut en bloquer certains. Alors, si vous utilisez Google, eh bien, ça peut être assez intéressant de cliquer juste ici pour, eh bien, passer la page en français si vous avez un petit peu de mal. Donc, c'est vraiment génial et ça vous permettra de vous servir de MailerLite sans grande difficulté. Vous avez deux types de tarifs, un tarif pour la commercialisation et un tarif, et un, un tarif transactionnel. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on appelle du comer, de la commercialisation, c'est-à-dire juste de l'email et des automatisations. Les tarifs à un autorépondeur, et ça fonctionne généralement pour tous les autorépondeurs de la même manière, fonctionnent en fonction du nombre d'abonnés que vous avez, du nombre de contacts que vous allez avoir sur votre autorépondeur donc eh bien, vous pouvez varier le curseur en fonction de votre nombre de contacts et vous voyez juste ici eh bien, le prix de votre abonnement varie. Ce qui est génial avec MailerLite, c'est que jusqu'à 1000 abonnés, 1000 contacts, eh bien, vous pouvez vous en servir gratuitement et envoyer jusqu'à 12 000 emails par mois, ce qui est vraiment quand même assez conséquent comme terme d'email mensuel envoyé. Et euh, si vous voulez en envoyer plus et eh bien sachez que ça commence à 10 dollars par mois jusqu'à 500 abonnés donc c'est aussi pour ça qu'on recommande MailerLite, c'est pour commencer vous pouvez vraiment avoir beaucoup beaucoup de contacts et avant d'atteindre 1000 contacts et eh bien ça vous laisse le temps de lancer votre activité et de générer eh bien un revenu pour pouvoir eh bien tout simplement payer l'outil dans son intégralité donc ça c'est la première chose que je souhaitais vous montrer vous pourrez ensuite et eh bien vous inscrire gratuitement à MailerLite en cliquant simplement sur s'inscrire et en renseignant des informations de base, votre nom d'entreprise, votre nom, votre adresse mail. Donc là, on vous conseille tout de suite de mettre votre adresse mail professionnelle et un mot de passe. Et ici, vous pourrez donc créer votre compte et durant 30 jours, vous aurez accès aux fonctionnalités payantes. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez continuer avec le forfait gratuit tant que vous ne dépassez pas les minutes. Voilà donc, une fois que votre compte sera créé, eh bien, vous arriverez sur une interface telle que celle-ci, relativement simple. Donc, ici, ce qu'on va tout de suite faire, c'est qu'on va de nouveau cliquer sur la petite euh, extension Google Translate pour passer le tout en français et que ça soit plus simple pour vous. Donc, on a un premier onglet, l'onglet tableau de bord, qui récapitule les grandes données, les informations importantes de votre compte. Donc et bien notamment euh, votre nombre de contacts, combien de contacts vous avez eu en plus aujourd'hui, les derniers emails envoyés et leur taux d'ouverture, etc. Donc globalement, ce n'est pas sur cet onglet que vous passerez le plus de temps. Nous avons ensuite l'onglet campagne, et pour le coup, c'est vraiment là où vous allez passer le plus de temps, puisque c'est ici que vous allez avoir toutes les campagnes que vous allez envoyer. Les campagnes, c'est quoi Ce sont simplement des mails, des newsletters que vous envoyez à date et à heure précise à votre liste de contacts. C'est par exemple le cas de notre newsletter que nous envoyons tous les dimanches à notre liste de, de, de contacts. C'est une campagne. Sur chaque campagne, eh bien on peut voir des chiffres importants sur ces campagnes une fois qu'elles ont été envoyées. Donc par exemple celle-ci, on peut voir le nombre de destinataires, combien de personnes Long vert combien de personnes ont cliqué et, euh, le, et un taux assez intéressant ici mais qui est un petit peu poussé donc on va pas forcément le détailler maintenant. Si vous cliquez sur voir le rapport vous aurez des données encore plus avancées concernant votre euh, votre campagne notamment et eh bien en fonction de la courbe qu'est ce qui s'est passé à quelle heure votre mail a été le plus ouvert Vous pourrez également voir, de quelle manière il a été ouvert, donc ici c'est webmail. Webmail, c'est quoi ben, c'est par exemple quand on a la messagerie Gmail directement depuis son navigateur mail. On peut voir et eh bien du reste les adresses web de messagerie, donc là les plus utilisées c'est Gmail et on peut voir également les personnes qui ont cliqué sur les liens, quels liens ils ont euh, cliqué, combien de fois, etc. Donc ici on a des informations plus poussées et puis vous en avez encore d'autres. Ici mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Donc, ça, c'est vraiment dans l'onglet campagne. Ensuite, vous avez un onglet les abonnés, subscribers, en anglais. et c'est ici que vous retrouverez, et eh bien, tous vos contacts. D'accord Donc, vous pourrez retrouver tous vos contacts, soit une liste de tous vos abonnés. Vous pourrez filtrer votre liste d'abonnés en fonction, eh bien, par exemple, de la date d'inscription, de, de source d'inscription et des choses comme ça. Vous pourrez également décider de créer ce qu'on appelle des segments. Donc des segments, c'est des groupements, d'accord D'abonnés. Donc par exemple, ici, élève mastermind, on a créé un groupement, d'accord En disant, dans ce, dans ce segment, je veux que tu me mettes toutes les personnes qui appartiennent au groupe académicienne, qui appartient soit à ça, soit à ça, et qui n'appartient pas à ça également. Et donc, ici, ça nous crée un segment. C'est quelque chose de plus avancé. Ensuite, vous allez avoir les groupes. Les groupes, c'est un petit peu un système de tags, d'étiquettes. Et c'est-à-dire que chaque contact, vous allez pouvoir lui mettre des étiquettes précises en fonction de qu'est-ce qu'il aura fait. Donc, s'il s'est inscrit à votre newsletter, s'il a téléchargé un aimant à un client spécifique, s'il a acheté une offre spécifique, tout ça, ce sont des groupes que vous allez pouvoir mettre sur vos contacts. Donc prenons par exemple un contact, je vais prendre ma propre fiche. Hop Et allons voir comment se présente une fiche contact. Donc on peut voir les mails, le nombre de mails qu'on a envoyé à cette personne, le taux d'ouverture, le taux de clic, depuis quand elle est abonnée et ici on peut notamment donc voir tous les groupes auxquels cette personne appartient. Donc vous voyez ici, il y en a beaucoup, beaucoup. C'est normal, c'est moi, hein. je fais partie de tous les groupes qu'on a sur notre autorépondeur. Et donc ça nous permet de voir eh qu'est-ce que la personne a fait, qu'est-ce qu'elle a téléchargé. Donc ça donne des informations très intéressantes. Et on a également accès à son historique d'activité. Donc quels sont les mails que la personne a ouverts, quels sont les mails qu'elle a reçus, quand, si elle a cliqué... Dans un mail en particulier ou pas. Donc, tout ça, c'est des informations assez importantes qui vous permettent notamment de savoir si une personne a bien reçu une communication spécifique que vous auriez envoyée. À partir de là, eh bien, les contacts sont regroupés dans des groupes. Donc, par exemple, liste d'attente formation ici, on voit qu'on a 143 personnes dans ce groupe et on pourra décider maintenant d'écrire uniquement à ce groupe. Ensuite, on a des, des onglets plus poussés. Pour le moment, on ne va pas rentrer dedans, puisqu'ici, on fait vraiment le tour pour les débutants. Ensuite, juste en dessous, on a un onglet qui s'appelle Forms. Alors, en anglais, ça s'appelle Forms. Donc, ici, la traduction n'est pas très bonne parce que c'est plus des idées de formulaires. D'accord S'il faudrait le traduire, ce serait plutôt formulaire. Vous allez pouvoir, avec MailerLive, créer des formulaires comme des pop-up ou bien encore des formulaires intégrés. Donc nous, on a beaucoup de formulaires intégrés qu'on met au sein de nos articles de blog pour que les personnes puissent eh bien, renseigner leur adresse mail dans ces petits encarts et accéder à des ressources spéciales. Donc ces formulaires sont directement créés avec MailerLite et les informations rentrent directement dans MailerLite et ensuite on met tout simplement le formulaire au sein de l'article. Donc là c'est assez intéressant puisque depuis MailOrLite directement, sachez que vous pouvez créer des pop-up et des formulaires. Ensuite je qu'avec qu'avec MailOrLite, vous pourrez également créer des sites. Vous pourrez bien créer notamment des petites pages de capture. Donc ici on avait fait un test, c'était juste pour voir à quoi ça ressemblait. Mais euh, on pouvait vraiment donc créer euh, une page de capture assez simple où les personnes du coup pouvaient euh, s'enregistrer pour un événement, demander à recevoir un aimant à un client. Donc là, ça peut être assez intéressant, notamment si vous n'avez pas d'outils comme System.io qui vous permet de faire ce genre de choses. Sachez que vous pouvez le faire également avec MailerLite. Et pour finir, vous avez l'onglet probablement le plus important de MailerLite, c'est l'onglet des automatisations. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place des envois automatisés. Et c'est là où ça se complique un petit peu et c'est sur, sur, sur ce point-là que je veux vraiment insister. Les campagnes, ce sont des mails que vous allez envoyer à date et heure précise. Par exemple, notre newsletter du dimanche qui part tous les dimanches à 8h du matin. Les automatisations, ce sont des mails et ce sont notamment une suite de mails la plupart du temps. C'est ce qu'on appelle une séquence mail qui contient donc plusieurs emails. Ces séquences mails, eh bien, vont dépendre notamment d'un élément déclencheur. Donc, je vais par exemple vous montrer cette automatisation que nous avons juste ici. C'est une automatisation pour toutes les personnes qui nous rejoignent au sein, eh bien, de Canva Experience. Et voici à quoi ça ressemble. On lui dit que quand une personne rejoint le groupe, donc quand on lui met l'étiquette Canva Experience je veux qu'il lui envoie immédiatement un premier mail pour le remercier de sa confiance, pour lui donner le lien de connexion à la plateforme et lui donner quelques instructions. Donc ça, c'est vraiment à chaque fois qu'une personne est taguée Canva Experience, à chaque fois qu'elle rejoint le groupe Canva Experience. Vous voyez bien, ça ne dépend pas d'une date une, ni d'une heure, c'est automatisé. Ensuite, eh bien, je lui demande d'attendre deux jours et de m'envoyer un second mail. Avec des informations supplémentaires. Je lui demande encore d'attendre deux jours, d'envoyer un autre mail, etc., etc. Ceci, c'est vraiment une séquence mail. Cette séquence mail est automatique. C'est pour ça qu'on appelle ça une automatisation. Tout s'envoie tout seul. D'accord Une fois que vous avez configuré votre automatisation, vos mails partiront tout seuls en fonction d'un élément déclencheur ou de plusieurs éléments déclencheurs que vous aurez pu définir. Voilà donc pour les fonctionnalités de base de MailerLite. Vous avez ensuite de quoi, eh bien, paramétrer votre compte, ajouter des intégrations supplémentaires, gérer vos fichiers et créer des modèles pour notamment vos campagnes. À ce propos, allons dans les campagnes et voyons voir comment vous allez pouvoir créer votre première campagne. Il vous suffira simplement de créer sur le bouton vert « Créer une campagne » et ici vous allez simplement lui dire que vous voulez créer une campagne régulière. Vous allez pouvoir lui donner un nom. Ici, ça sera l'objet, d'accord, de votre mail. Vous pourrez modifier les informations de l'expéditeur si vous le souhaitez. Donc, c'est les informations qu'on voit juste ici. Vous pourrez écrire un petit aperçu de votre mail. C'est ce qu'on verra donc ici. Et au niveau des destinataires, c'est ici que vous allez sélectionner eh bien, les groupes à qui vous souhaitez envoyer votre mail. Donc, bah, soit vous décidez d'envoyer votre mail à tout le monde ou bien par exemple et eh bien vous décidez d'envoyer votre mail uniquement et eh bien euh, aux académiciennes et on sélectionnerait par exemple uniquement ce groupe là une fois que c'est fait on peut continuer on clique sur suivant et on va donc travailler notre compte. si vous avez créé un template et eh bien vous le retrouverez ici c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire c'est d'avoir un template pour vous permettre eh bien, de gagner du temps et toujours reprendre le même email. Sinon, vous pouvez décider de commencer en partant de zéro. Vous pouvez également utiliser les templates d'email qui mettent à votre disposition. Ou si vous avez récemment créé un email, vous pourrez re le retrouver dans récente Email et le reprendre à partir d'ici. Donc ici, on va partir en partant de zéro et on va choisir la première option, l'éditeur drag and drop. C'est vraiment ce qu'il y a le plus simple à utiliser puisque c'est un système où on fait donc glisser des blocs au sein de notre mail. Donc ici sur le côté, vous allez avoir tous les éléments que vous allez pouvoir mettre sur votre newsletter. Par défaut, vous voyez, il vous a mis plein de blocs. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir passer notre souris sur un bloc et là on voit des petites options supplémentaires. Cette petite option, ça vous permet d'enregistrer un modèle de bloc pour pouvoir le vous en servir. Rapidement la prochaine fois, vous les retrouverez ici. Vous avez un petit stylo qui vous permet dans la barre à droite de modifier plein de choses. Donc par exemple, le rembourrage en haut en bas. Ici, c'est un menu. Donc on va pouvoir ajouter nos liens spécifiques. Et on va pouvoir également modifier nos styles de contenu. Donc ça, c'est très intéressant pour personnaliser. En fonction des éléments sur lesquels vous allez cliquer, sur le côté, ça se, ça, modi ça se changera en fonction. Donc, si on clique sur ce bloc-là, vous voyez ici, on a d'autres options d'autres options de texte, des options pour modifier notre image, etc. Nous avons ensuite le petit œil. Le petit œil, ça vous permet de choisir. Peut-être que vous voulez que certains éléments ne soient visibles que pour certaines personnes ou pas. Donc, ça, c'est une option assez avancée je ne vais pas rentrer plus dans le détail. Le bouton juste après, c'est pour dupliquer votre bloc. Et le bouton juste à côté, c'est la corbeille. C'est pour le supprimer. Si vous voulez déplacer un bloc, vous pouvez venir le saisir sur le côté et le déplacer où vous le souhaitez. Si vous souhaitez ajouter un nouveau bloc, donc par exemple une nouvelle, un nouvel élément, vous pouvez venir ici. Si vous souhaitez ajouter un bouton, eh bien, il vous suffit simplement de le prendre et de le faire glisser. Vous aurez encore une fois sur le côté. Les éléments pour le personnaliser, pour personnaliser la couleur de ce bouton, pour modifier la police du bouton, pour modifier la taille, pour modifier les angles de votre bouton, vous pourrez vraiment modifier plein, plein, plein de choses. Voilà en gros comment fonctionne l'éditeur de campagne. Si c'est une thématique qui vous intéresse, on pourra vous faire un tutoriel beaucoup plus détaillé sur l'utilisation, eh bien, de l'éditeur dans MailerLite, parce que sinon cette vidéo ne va pas se terminer. Une fois que vous avez terminé votre mail, n'hésitez pas à cliquer ici pour vous envoyer un email de test. Rentrez votre adresse mail, vous envoyer un petit mail pour voir à quoi ça ressemblera pour de vrai. Une fois que vous avez terminé, il vous suffit de cliquer sur le bouton vert pour terminer votre édition. Une fois que c'est fini, vous aurez un écran récapitulatif juste ici, où il vous récapitulera l'objet, euh, à qui vous souhaitez l'envoyer, et vous avez la possibilité eh bien, de travailler pour planifier votre campagne. Soit vous décidez de l'envoyer maintenant, soit vous décidez eh bien, de l'envoyer à un instant précis. Soit, eh bien, vous décidez de vous baser sur les fuseaux horaires. Donc ça, c'est très très intéressant, puisque ça vous dit, eh bien, par exemple, je veux que ce mail arrive à 8h du matin partout. Donc c'est-à-dire eh qu'on soit en France ou au Canada, je veux que le mail arrive à 8h du matin. Envoyer plus tard, si je dis 8h, heure de Paris, eh bien, il arrivera en plein milieu de la nuit <laughs> au Canada. D'accord Une fois que c'est terminé, il vous suffit de faire Envoyer. Vous pouvez cliquer sur la petite croix, ça enregistrera votre mail en brouillon et vous pourrez le reprendre plus tard. Si vous souhaitez créer un template, il vous suffit simplement d'aller dans Mes modèles et là vous pouvez cliquer sur Nouveau modèle et créer donc un nouveau modèle de campagne. C'est vraiment sur ce modèle-là qu'on vous conseille de travailler, de vraiment le personnaliser et ensuite vous pourrez facilement le reprendre pour envoyer toutes vos campagnes. Voilà donc pour... Le tour, l'aperçu de MailerLite. On espère que ce tutoriel vous permettra de mieux comprendre les différentes fonctionnalités qui se cachent au sein de MailerLite. Vous avez vu, ça vous aura probablement rassuré quant à la facilité d'utilisation de cet outil, d'autant plus qu'on peut utiliser la petite extension pour traduire les pages qui sont en anglais, donc ça peut encore plus faciliter la chose. Si vous souhaitez avoir d'autres tutoriels sur meilleur Light ou si vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires on sera un plaisir de pouvoir répondre à vos deux. Si ce petit tutoriel vous a plu n'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne manquer aucun prochain tutoriel. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tutoriel.